qui ça vous demandez pour mon résider dans le pays Chili? Qui ensemble des critères vous demandez? Bon, Chili, pour résider, faut qu'on travaille, faut qu'on ait un contrat de travail, et faut que travail ça paye sa imposition pour tant que faut que cas d'assurance. Ya, yon bagay kon sa li, fòk travay la pen imposition pou chak mwa. E lè ou pou al poste pou rezidans lan, y ap mande ou yon total de 7 minimum kwe. E pi apre de sa, ou ap poste avèk lòt fotokopi paspòr, sou te deja gen kanen en a kopil. Avec quelques autres petits bails, petits détails encore et papier registre civil, bail pénal, vous comprenez? Et puis on va poster, on va obtenir une réponse. Mais en un pas dit, même si on remplit tous les critères, il y a bon papier. Ya. Ok, mais selon ça, vous faites comprendre et selon ça, vous faites comprendre là tout. Document, bon côté pas autorité la caïno, plus difficile à trouver que document chilien. 10 000 frappes, la journée avec la nuit, et pas même bon la nuit là même, la nuit avec la pli. Yeah. Parce que imaginez, bon bien monsieur Mandé, il m'a toute nation, Vénézuélien, côté le campé, là, il font coup de fil, il a un coup de fil, il monte sur le téléphone, il joue. Il m'a donné un papier comme ça à toucher libre pour le retirer dans le registre civil. On croit na moins que 1000 pesos chiliens qui pa yon dollar alors qui un dollar epic et ou pa le registre civil ou retirer avec téléphone ou tout sur Google ou prendre le form yo download le puis ou le retirer dans cybercafé pour 2 pesos chiliens. Ouais bagaille facile mais ambassade haïtien yon mande 25 dollars vet. Après 25 dollars, si vous êtes garçon, vous avez demandé plus de mais si vous êtes fille, vous avez demandé de vous bon forme. Vous avez demandé un autre bagaille. Oh, c'est quoi le business? Alors, vous comptez fille même qui est victime de ça? Ah, mon cher, vous ne pouvez pas vous connaître. Non, bah, on ne connaît parce qu'on n'a pas fait expérience là. Alors, document, ça prend temps pour nous joindre et ça fait qu'il y a un peu de monde qui peut arriver résider, qui est découragé. Yeah. Non seulement le printemps, vous dépensez en pile comme. Et ça qui est terrible là, si par exemple, vous voulez faire Haïti pour jouer plus rapide, et l'État Chili exige faut que vous ayez sur l'ambassade là sous lui, l'ambassade là exige un montant et pour mettre son encore son tête chargée. Pour légaliser. Pour légaliser, à propos de le traduire. Pour traduction, il n'y a pas de problème. Tout problème haïtien, tout problème, on est capable de dire papier haïtien, 90%. Reposer sous l'autorité nous yo parce que yo pas soucié de nous et comme si yo pi mal que crab de yo fait yo lagué vous comprenez de lagué et que comme ça ça faut on Nicaragua te passer faut on te prendre te tenter passer par Nicaragua mais après pour quantité comme là et puis tout me te voulais quitter Chili plus vite que possible et me te venir patient malgré visa malgré passeport me te gétant rivé Panama pour visa relé faire pour moi parce que devenir patient pour me quitter Chili. OK et histoire forêt a comment ça dit? Mon cher histoire forêt elle pour moi elle pas triste. Dans moment te faire là grâce à Dieu pas de gain là, pas de gain la pluie, pas de gain en pile de l'eau mais que nous connaît 90% forêt a ou bien pour me pas dire pour me pas dire 100% c'est de l'eau. Et les pas histoire pas triste pour moi. Grâce à Dieu, m'était bien passé, mon qui était avec moi m'était bien passé même si n'entend mon de faire plus temps que temps normal d'a de faire. Mais tout bas était OK. Est-ce que ou te quelque bail qui te fait peine en forêt? Non, pas de Ken Perez. Alors, m'pas peur. Je n'ai plus que cause vous faire m'pas peur parce que si tu laisses moi prendre décision, m'pas peur parce que me connais et réussite là c'est pour moi, échec là tout c'est pour moi. OK. Et yo dit qu'on ça moun marcher sous cadavre après mort, moun dit dans moun là, soussement pour nous, est-ce que c'est vrai? M'pas trop soussement mais m'te prend un peu le mauvais sent. Et c'est moun qui mouri dans forêt. Il y a m'prend un peu le mauvais sent et yo pas ka l'autre sent que sent viande qui tombe en pourriture. OK. M'pas de croiser avec voleur. Non, grâce à Dieu m'pas de croiser voleur. Moun qui était devant m'croiser voleur, moun qui derrière m'a baïste à baïste croiser voleur mais même dépasser libre. Est-ce que c'est vrai qu'on viole
monde dans la forêt en tant que femme. Oui. Les probable, m'a pas dire oui c'est vrai non c'est pas vrai mais le probable parce que quand tu gagne vol ou tu es viol parce que yo exige au cob sous bag parfois quand bail cob yo exige là yo violé pour ça tout sous bag gagne cob tout yo violé mais tu gagne yon date qui t'est passé ça te fait plus bruit qui actuellement et qui t'est passé à tout. Vous dites que ça l'arrivé dans pays Mexique ou réfléchir en pile concernant un rêve pour aller aux États-Unis, ça fait ça même. Mon cher, m'a sincère ensemble avec vous. Pas un businessman qui tande espagnol, qui parle espagnol, qui passe là, alors qui gagne information bien entendu, qui pas réfléchir. C'est vrai d'après information aux États-Unis, ben en pile possibilité pour réussir plus vite, pour faire business plus vite. Mais ici là pour ça moi et pour ti cale expérience moins convaincu est-ce que vraiment moi ça et pour ça me vainc tout et gain avenir à terre là spécialement dans business et professionnel tout nous on va pas dire haïtien parce que pas celle haïtien qui plein de Mexique même non plus on va pas dire c'est un manque d'éducation plutôt c'est un manque de formation et information parce que m'pa bon menti Mexique non ça qui gagne pour avec business et puis professionnel m'a pas dit tout Mexique mais Mexique riche dans ça ça en fait et opportunité est-ce que toute opportunité ça au Koweya arrivé tirer rêve pour aller aux États-Unis rêve américain mon cher avec un peu de sincérité m'a gagne rêve américain bien que t'es sorti chez les malais pour aller aux États-Unis mais rêve moi c'était travailler rentrer plus comme que ça me déconne rentrer chez lui et puis pour me faire business parce que depuis mon tout petit bord de pam rêve moi c'est business moi l'école papa m'a parlé de docteur moi-même m'a pas acheté plus ma caille dans l'école là me vendre rêve moi c'est business depuis Haïti tu veux faire business depuis et pas depuis Haïti depuis tout petit parce que me songer pas de trop long et me songer pas songer dans quel âge moi t'ai me t'ai en deux avec papa me t'ai gagné un bœuf on venait mal faire business pour qu'on Haïti bah y a pas tellement bien marché bagaille mais rêve moi c'était business malheureusement me fait près de 7 ans chez lui on pas de faire business mon cher moi vais là pour ça non seulement organisation offrir et pour ça moi pays à offrir on pas dire rêve États-Unis m'en mourir là mais même là les États-Unis sont l'autre forme tout sont l'autre forme tu yeah. Mets donc en Mexique là mais on va le 7 mois là. 7 mois là. Est-ce que vous êtes légal ici là? Non, bah beaucoup légal. Au contraire, il y a 20 mois ça, j'ai rendez-vous pour une interview. OK, interview dans Comar. Il y a une interview. Une résolution qui pour bon refuge dans pays. Exactement. Et moi quoi m'a sûrement m'a bien résident définitif. Marché pour compte ou bien en famille? Moi en famille. Moi marié, moi gagne moi voilà dans 3e mariage et puis moi gagne un bébé, mais c'est voilà dans 2 ans. C'est chilien. Yon chilien. Défait le Chili. Yeah. OK. Et expliquez-nous, à nous parler de Patéa là. Et combien de temps vous avez de voir votre Patéa? Moi, j'aime voir là. Je vais là maintenant 2 semaines, je vais là 3 semaines. Comment ça est jusqu'à présent? On fait comme? Jusqu'à présent, il y a un fait comme parce que on y est à mettre un jour de travail 250-300 pesos avec un chilien. Côté map stressé parce que. Ah, il y a un Mexicain. Parce que tout rêve moi c'est business